D'abord, merci de me faire l'honneur de cette petite interview impromptue. C'était sous la menace, j'étais obligé. C'est gentil. Ma première question, elle est assez simple. Vous avez fait un petit tour maintenant des exposants. Est-ce que vous avez eu des choses qui vous intéressent, enfin, ou qui vous ont tapé à l'œil, plus simplement? Moi, je ne suis pas du tout connaisseur, hein, donc je vois des beaux objets, ouais. Mais je les trouve... Bon, à part quelques-uns où je vois bien que c'est pas dans mes goûts esthétiques, mais ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Quoi. Moi j'ai une guitare chez moi, enfin j'en ai même plusieurs, mais c'est des guitares à 100 €, quoi, des guitares vraiment que j'ai. Et là c'est des belles guitares, on en a même essayé deux ou trois là. Mais c'est magnifique, quoi. Ouais. On a l'impression qu'on fait juste un accord de sol et on dit putain, je suis le meilleur. Il y a des choses qui se passent autour. Ça vous a éventuellement donné l'envie justement d'aller au-delà des guitares de série, bon marché, etc. Ça vous donne envie d'en acheter ou vous dites non. Je le mérite pas. Voilà. C'est l'envie. L'envie elle est là, mais bon, il y a tellement de belles choses dans la vie qui me font envie. Donc faut mériter. Je sais pas si c'est le mot, mais est-ce que oui, à partir du moment où c'est une somme d'argent et un bel objet, il faut derrière du travail, il faut quelque chose que je ne me sens pas de donner en ce moment. Pourtant, je joue un peu de guitare. Enfin, j'ai une tendinite qui m'empêche un peu de jouer, mais je m'exerce, quoi. Mais c'est vrai, c'est ça. Est-ce que j'ai droit à une aussi belle guitare? C'est un peu ça. Quelle guitare me ferait plaisir, moi? Tout ce que j'ai vu en bas, moi... Au salon, je trouve ça tellement beau, tout me ferait plaisir. Ouais. Moi, en ce moment, je suis en écriture, donc j'ai créé un projet de cinéma qui n'est pas du tout abouti, mais j'y crois, et c'est du boulot, du découragement, vous voyez, c'est les montagnes russes, c'est l'écriture. Et sinon, il y a un joli téléfilm. Qui va sortir, je pense, à la rentrée prochaine sur France 2, inspiré d'un livre de Francis Perrin et de sa femme, un très joli téléfilm avec Julie-Marie Parmentier. Voilà, je fais toute la promo. Et j'ai très très beau téléfilm. Voilà, ça c'est quelque chose qui va sortir. Sinon, c'est l'écriture.